Nous sommes le lundi 1er novembre à bord de Safran, bientôt à 24 heures du départ. Et puis faisons un petit point. Donc un départ un peu difficile pour moi. Enfin, je pense avoir pris le meilleur départ par contre. Mais un petit problème technique m'a un petit peu contrarié et on s'en a aperçu juste au moment où avant que l'équipage ne débarque du bateau. Du coup, j'avais un peu la tête prise par ce problème que j'espère pouvoir résoudre. On en parlera plus tard d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai un peu subi la course. Je ne suis pas hyper satisfait, bien sûr, parce que d'être à une quinzaine de milles derrière les concurrents, ce n'est pas un scénario que j'avais envisagé au départ. Mais bon, c'est aussi le jeu de la course, hein, les erreurs. Disons que j'étais vraiment claqué, vraiment très fatigué. Et puis vraiment contrarié par ce petit pépin-là. Mais bon, la course n'est pas finie, hein, heureusement. Il reste encore pas mal de routes. Hein. Et puis voilà, donc on a eu des conditions relativement clémentes, disons, jusqu'à Bréa. Après, c'est un petit peu forcé avec au portant, sous Jenneker ou sous Spi pour d'autres. Et puis cette nuit, une mer de face qui tapait vraiment, c'était vraiment pas très agréable. Et puis là, ça s'arrange un petit peu avec du vent refusant. Donc voilà, et puis une petite vue de la caméra à l'étrave. Qui va vous montrer un petit peu la couleur du ciel, là, plutôt belle, avec un vent pratiquement à l'ouest. Enfin, pas tout à fait, un vent qui est au 300. Et puis une vitesse qui est, ma foi, relativement acceptable. J'espère suffisante pour attraper mes camarades. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis à bientôt sur les ondes.